tous, bienvenue pour ce 48e petit déjeuner de la science et de l'innovation que nous organisons chaque mois depuis 6 ans en coopération entre la SEIN, l'AFAS, l'Association française pour l'avancement des sciences, les ingénieurs et scientifiques de France et les anciens et amis pour le rayonnement du CNRS. L'année dernière, avait été consacrée à l'année mondiale du tableau périodique des éléments. Cette année, c'est tout autre chose, c'est sur la santé des végétaux. Et il nous avait semblé qu'en introduction à cette année sur la santé des végétaux, il fallait déjà comprendre toute l'harmonie qu'on pouvait trouver dans le monde végétal. C'est pour ça que nous avons invité M. Francis Martin, membre de l'Académie d'agriculture, professeur à l'Université des forêts de Pékin, directeur de recherche à l'INRA, pour nous parler de la symbiose et coopération pour une forêt résiliente. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour cette introduction. Évidemment, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vois que l'audience est attentive, prête à écouter une belle histoire sur les arbres, leur coopération avec le monde des microbes et en particulier les champignons. Et puis, je pense que je terminerai, on vient de parler de santé des plantes. On est très préoccupés aujourd'hui, nous autres chercheurs forestiers, par le dysfonctionnement des systèmes, des écosystèmes, et en particulier des écosystèmes forestiers. Donc si j'ai un peu de temps à la fin de mon exposé, j'aimerais discuter avec vous, m'entretenir avec vous un petit peu, de faire le point sur l'état des écosystèmes forestiers, l'état des forêts aujourd'hui, qui subit des contraintes très fortes liées au changement climatique. Donc au cours de cet exposé, on va faire une promenade sous la forêt, et je vais m'intéresser tout particulièrement aux interactions entre les plantes, les arbres, et puis certains micro-organismes que sont les champignons. Et donc cet exposé, je propose de le subdiviser en 4 parties qui va aborder différents concepts. Le premier, c'est celui de l'arbre-monde. On n'est jamais seul, comme dit Marc-André Solos. Nous, humains, sommes en interaction permanente avec les micro-organismes. Je voudrais vous convaincre que les plantes, les arbres, sont également en interaction permanente avec le monde microbien, et que sans ces interactions, sans cette coopération, eh bien les plantes et les arbres en particulier ne pourraient pas survivre. Le deuxième concept que j'aimerais discuter avec vous ce matin, c'est celui de coopération, de symbiose entre plantes et champignons, et en particulier une symbiose qui me tient particulièrement à cœur, qui est la symbiose mycorhizienne. Et puis on verra comment cette symbiose, comment ces champignons symbiotiques dialoguent, interagissent, coopèrent, parfois se combattent les autres champignons de la forêt, que sont les champignons décomposeurs. Et puis enfin, on verra quel sera l'impact du changement climatique en cours sur ces coopérations, ces symbioses entre les plantes et les microbes. Est-ce que le menu vous convient pour le petit déjeuner de ce matin? Alors, évidemment, il y a une première chose qui me faut affirmer fortement, c'est que notre planète... Est-ce qu'il y a des océanographes ici dans la salle? Je ne voudrais pas les froisser, mais ils ont l'habitude de dire que la planète Terre est une planète bleue. Moi, quand je regarde cette diapositive, j'ai quand même l'impression que cette planète, elle est bleue, mais elle est aussi très verte. Hein, c'est une carte du monde qui représente les massifs forestiers. Vous reconnaissez dans toute la partie nord de l'Amérique et de l'Eurasie les grandes forêts boréales, la taïga du nord de l'hémisphère nord, les forêts tempérées, et puis dans l'hémisphère sud, bien entendu, les grandes forêts tropicales, amazoniennes,
africaines, indonésiennes et chinoises. Donc un tiers de la planète est couverte d'arbres. Et certains collègues se sont amusés à compter le nombre d'arbres sur cette planète. Ils sont arrivés à un chiffre de l'ordre de 3100 milliards, c'est-à-dire 3 trillions d'arbres sur notre planète. Donc le peuple des arbres est de loin dominant sur cette planète, et nous autres humains, on devrait les respecter un peu plus qu'on le fait. Et ces 3 trillions d'arbres sont en interaction avec les micro-organismes, et on sait aujourd'hui que près de 60% de ces arbres, chênes, hêtres, pins, etc., sont en interaction avec des champignons symbiotiques que je vous introduirai plus tard. Donc notre planète est une planète forestière, il n'y a pas de doute, et qu'il s'agisse de la forêt boréale, comme ici en Alaska, de la forêt tempérée derrière chez moi, ou de la forêt subtropicale de Yunnan, on a une connaissance très approfondie des interactions, des coopérations, du dialogue entre les différentes espèces végétales dans ces forêts. Il y a un corpus de connaissances qui s'est accumulé au cours des 20 dernières années, extrêmement important sur l'écologie végétale et sur l'interaction entre les communautés végétales. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est ce qui se passe en fait sous terre. L'interaction entre ces communautés végétales et les communautés souterraines qui sont dominées par les micro-organismes. Et donc, il y a tout un ensemble de projets internationaux aujourd'hui qui visent à, bien entendu, comprendre le fonctionnement des écosystèmes, mais en particulier, et c'est le cas à Nancy, hein, à l'INRA de Nancy, dans le cadre de coopération internationale avec les États-Unis, avec la Chine, c'est de comprendre, de décrypter les réseaux écologiques, les interactions qu'il existe entre les arbres et le monde des micro-organismes souterrains, champignons symbiotiques, champignons décomposeurs, bactéries. L'ensemble de ces royaumes de la vie sont en interaction permanente et il est indispensable de comprendre comment ces mécanismes fonctionnent, de les décrire, les comprendre, éventuellement, si les informations sont suffisantes, les modéliser et injecter ces données dans des cartes prédictives de manière à espérer prévoir comment ces écosystèmes et leur fonctionnement vont évoluer au cours des 20, 50 prochaines années suite aux modifications massives de l'environnement et en particulier le changement climatique. Donc, quid, que sait-on sur ce réseau social souterrain, caché, qui lie l'ensemble de ces organismes? En fait, tout commence par l'arbre. Il va être au cœur de cette conférence, de cet exposé de ce matin. L'arbre, comme ce chêne centenaire, a longtemps été... Alors, vous voyez souvent, d'ailleurs, sur les photographies, et sur les graphiques et les dessins, l'arbre, on le représente toujours sous cette forme-là, et dans l'intellect humain, l'arbre, il n'a jamais de racines. C'est très rare de voir le système racinaire d'un arbre. Alors que la biomasse racinaire, elle est aussi importante que la biomasse aérienne. La quantité de matériel que l'arbre va investir dans son système souterrain est tout aussi importante que celle qu'il va investir dans la partie aérienne. Alors déjà, c'est un premier point qu'il vous faut retenir. L'arbre, il a des racines. Mais cet arbre, il n'est pas seul. Il est en interaction permanente avec les microbes, avec les micro-organismes. Il est recouvert de bactéries, de champignons. Bien entendu, vous connaissez les lichens, souvent qu'on trouve sur les branches. Mais le système racinaire de ces arbres est également en interaction permanente avec bactéries et champignons. Et cet ensemble d'organismes, ce méta-organisme, arbre plus son cortège microbien, on l'appelle un holobionte. Et en fait, on sait aujourd'hui que ces arbres, méta-organismes, que moi j'appelle arbre-monde, à la fois le fonctionnement, le développement de ces arbres-monde dépend des microbes, mais également l'évolution de ces systèmes. Donc, on est passé à une notion extrêmement forte aujourd'hui, extrêmement prégnante, qui est celle du phénotype étendu. C'est-à-dire que l'arbre, ce n'est pas simplement
l'arbre individu génétique, c'est l'arbre individu génétique avec tout ce cortège de micro-organismes. Et effectivement, quand on a les outils adéquats, évidemment, on peut prendre un microscope, mais de plus en plus aujourd'hui, pour inventorier la diversité, pour recenser la diversité sur un organisme, on utilise des outils génétiques, on fait du séquençage à haut débit, et on peut identifier, lister, inventorier, quantifier, recenser, suivre en permanence les micro-organismes qui vivent sur une plante ou au sein des tissus de la plante. Et c'est ainsi qu'on a pu découvrir qu'une plante, un arbre en particulier, interagissait en permanence avec à peu près un millier d'espèces de champignons différentes et probablement 10 000 à 50 000 espèces de bactéries différentes qui sont en permanence en interaction avec cette plante, qui vivent soit sur la surface des feuilles. Je les ai représentés par ces petits points rouges et ces petits points blancs. Chacun de ces points pourrait représenter une espèce de bactérie ou de champignon différente. On en a plusieurs centaines sur les feuilles et ils forment la phyllosphère, c'est-à-dire la zone autour de la feuille. Et certains de ces micro-organismes peuvent mettre pénétrer. Alors ils vivent, comme on le voit ici, entre les interstices des cellules végétales, mais peuvent éventuellement pénétrer à l'intérieur des tissus foliaires et vivre à l'intérieur des tissus foliaires. On les appelle les endophytes. Si on est capable de déterrer ou d'observer le système racinaire, on va s'apercevoir que là également, il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'espèces de micro-organismes différents, à la fois qui vivent dans la rhizosphère, c'est la zone d'influence du système racinaire, c'est quelques centimètres des interactions entre plantes et micro-organismes, comment la plante sculpte son cortège, sa communauté de micro-organismes, et comment cette communauté de micro-organismes affecte, modifie le métabolisme, la physiologie, le fonctionnement, le développement des plantes. C'est vraiment un domaine de recherche extrêmement passionnant, et que les outils de la moléculaire, les outils de la génomique en particulier, nous permettent d'étudier aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est de... Alors c'est pas le meilleur temps aujourd'hui, il pleut des cordes sur Paris, il neige sur Nancy, mais à la moindre occasion, filez en forêt, allez en forêt. Mais s'il vous plaît, la prochaine fois que vous faites une promenade en forêt, ne vous contentez pas de regarder la magnifique canopée des arbres, comme dans cette futaie, cette hêtraie. Regardez sous vos pieds. Si vous grattez la litière, tout de suite vous allez découvrir une multitude d'organismes qui vivent en interaction avec les plantes et avec les racines. Et je vous propose d'aller rendre visite à un certain nombre de ces micro-organismes qui vivent et qui grouillent sous le sol. Alors, on va essentiellement parler de champignons aujourd'hui. On n'a pas le temps de discuter des bactéries qui vivent en interaction avec les plantes. Elles forment des interactions et des coopérations extrêmement importantes. Mais on va se focaliser sur les champignons. En particulier, je voudrais vous rappeler qu'en forêt, il y a trois grands groupes de champignons. Les décomposeurs, que j'appelle les fossoyeurs de la forêt. Leur rôle, c'est de décomposer, de découper, de dégrader la matière organique morte. On a les symbiotes, champignons qui ont appris au cours des millions d'années qui nous ont précédés à dialoguer, à vivre et à travailler avec les plantes. Et puis, il y a un groupe de champignons que les forestiers n'aiment pas trop, ce sont les champignons pathogènes, comme César Miller, qui sont capables, eux, de tuer, d'émettre des toxines, et de tuer les plantes, de tuer les arbres pour s'en nourrir. Donc voilà, on a trois grands groupes de champignons en forêt. Et parmi les décomposeurs, vous reconnaissez, pour ceux qui vont se promener en forêt parfois, ces consoles, ces fructifications issues des polypores. Donc on a des champignons qui sont capables de dégrader le bois, la lignine et la cellulose, ce sont les pourritures blanches. Des champignons qui décomposent essentiellement la cellulose, ce sont les pourritures brunes. Les décomposeurs de litière qu'on trouve sur les feuilles mortes, les petites branches, comme ces mycènes. Et puis, on va surtout parler aujourd'hui des symbiotes mycorhiziens. Mais gardez à l'esprit que ces trois grandes guildes, ces trois grandes compagnies de champignons sont en interaction permanente. Et en fait, il y a un continuum
On a la tendance, nous scientifiques, de classer les organismes vivants en catégories bien tranchées. On dit on a les décomposeurs, on a les symbiotes, on a les pathogènes. En réalité, on va trouver un continuum entre ces différents types de champignons. Certains symbiotes peuvent parfois devenir pathogènes et certains décomposeurs peuvent apprendre à dialoguer avec les plantes et devenir symbiotes. Alors, si on s'intéresse à ces différentes communautés de champignons, c'est qu'ils jouent un rôle qui est fondamental dans le fonctionnement de la forêt, mais qui est fondamental également dans le fonctionnement de tous les écosystèmes terrestres. C'est le recyclage du carbone, c'est le recyclage de la matière organique. Si ces champignons n'existaient pas, notre planète serait recouverte, on serait submergé de débris végétaux. Ces organismes fongiques sont parmi les seuls organismes capables de décomposer, de dégrader, de découper la matière organique, et en particulier le bois, la lignine et la cellulose. Certaines bactéries sont capables de le faire, mais c'est très rare. Ce sont les champignons qui sont les grands maîtres de la décomposition et du recyclage du carbone. Donc comprendre le recyclage du carbone passe par une compréhension du rôle de ces champignons décomposeurs, qui sont majeurs, des acteurs majeurs dans la décomposition de la matière organique. Et puis, l'autre grand groupe de symbiotes, les symbiotes, ben, eux, ils sont en interaction avec la plante, et c'est eux qui assurent le transfert d'une grande partie du carbone fabriqué par les plantes, les sucres issus de la photosynthèse, une partie importante de ces sucres transite vers le système racinaire, et à peu près un tiers du carbone des plantes transite, migre vers les champignons symbiotiques en symbiose avec eux avant d'aller vers le sol. Donc voilà les deux grands acteurs qui vont jouer un rôle clé dans le cycle du carbone en forêt. Donc il est fondamental de comprendre les règles de fonctionnement, les règles d'assemblage de ces différentes communautés. Alors je vous dis très souvent, ces champignons décomposent la matière organique. Souvent c'est la matière organique végétale, comme le bois, mais n'oubliez pas qu'en forêt, il y a aussi énormément de cadavres d'animaux, et ces champignons décomposeurs sont capables aussi de décomposer les cadavres, la multitude d'insectes qui meurent en forêt. Et cette photo a beaucoup circulé sur Internet, parce qu'on a un opossum qui a été tué par les feux récents en Australie, et le cadavre de l'opossum a été colonisé par des champignons, on voit les filaments là, et là vous avez le champignon qui fructifie dans la main de ce cadavre d'opossum. Donc ces champignons ont un rôle majeur dans la décomposition de la matière morte végétale, mais également de la matière morte animale qui vit et qui transite à travers le sol. Alors quand je vous dis champignons, à quoi vous pensez ? Au cèpe, hein, une fricassée de cèpe. Hein. Ou alors, pourquoi pas une fricassée de chanterelle ? Et puis si vous avez les moyens, quelques lamelles de truffes sur un plat de pâtes. Alors vous avez raison, ce qu'on appelle champignons, ce que le grand public appelle champignons, c'est bien ça. Mais ce sont les fructifications du champignon. C'est une toute petite partie de la biomasse des champignons. En fait, c'est l'organe sexuel d'un réseau mycélien souterrain qui lui représente 99% de la biomasse du champignon. Et chaque automne, ce réseau souterrain énorme qui peut faire des kilomètres, sous l'effet d'un certain nombre de facteurs de l'environnement, humidité, certaines températures, un choc thermique, sur ce réseau va se former des embryons de quelques millimètres qui vont donner naissance à ce qu'on appelle le champignon, qui est un organe sexuel dont la seule fonction est de disséminer le patrimoine génétique de ces espèces fongiques. En fait, un champignon, c'est une structure extrêmement ingénieuse qui consiste en un pied pour monter le plus haut possible, quitter la matrice forestière, migrer, monter le plus haut possible, créer un parasol, et sous le chapeau, protégé des intempéries, va se dérouler
la sexualité de ces organismes, en particulier la fabrication des spores, c'est-à-dire l'équivalent des grains de pollen chez les plantes. Les spores vont être fabriqués sur les lamelles ou les tubes chez le bolet, les lamelles chez les chanterelles, qui sont fabriqués sur des structures particulières situées sur les sous le chapeau. Et quand ces spores sont matures, au moindre coup de vent, ben elles sont disséminées dans le sous-bois forestier pour donner naissance, boucler le cycle de la vie et donner naissance à l'autre génération, à une future génération de mycélium et de champignons. Donc cette structure, en fait, elle a vraiment comme seul objet de propager le patrimoine génétique. Et le champignon, c'est ça, en fait. Le champignon, c'est ce que vous découvrez entre les feuilles mortes, dans le sol, sur un pot de confiture, parfois sur l'ongle de l'athlète. Vous avez ce réseau de filaments microscopiques qui peuvent s'assembler en câbles pour former des structures beaucoup plus visibles. Et vous voyez qu'ils ont une structure qui a été inventée par la nature pour coloniser au mieux le substrat. Il n'y a pas un millimètre carré du substrat, que ce soit une feuille, que ce soit une branche morte, que ce soit la surface d'un pot de confiture ou un fruit, qui ne sera pas colonisé par cette structure. Donc ce sont des organismes qui sont, contrairement aux plantes, dépourvus de photosynthèse. Ils ne sont pas capables de transformer, de photoassimiler. Donc ils dépendent complètement de l'absorption des éléments nutritifs provenant du substrat. Et parmi ces champignons, il y a un groupe qui m'intéresse tout particulièrement, ce sont les champignons symbiotiques, dont l'amanite tumouche, Amanita muscaria, est l'un des plus beaux représentants. Donc allons voir un peu en forêt ce qui se passe réellement dans le réseau mycélien qui connecte l'ensemble de ces fructifications et l'ensemble de ces fructifications aux arbres voisins. Et là, ça me permet d'introduire un des concepts les plus prégnants en biologie, c'est celui de la coopération et de la symbiose. En fait, depuis Darwin, on a l'impression que tous les organismes sur la planète se combattent en permanence pour être le premier de cordée, de manière à pouvoir coloniser au maximum les écosystèmes. En fait, on s'est aperçu depuis 150 ans qu'un autre, un autre mécanisme extrêmement puissant qui anime les communautés vivantes sur la planète, eh bien, c'est la coopération, et en particulier la symbiose. Alors, une symbiose, elle a une définition bien précise, hein. Une symbiose, c'est une association physique durable entre deux organismes d'espèces différentes et qui est bénéfique à chacun d'eux. Alors aujourd'hui, on parle particulièrement des interactions entre les plantes et les champignons, donc des associations à bénéfice réciproque. Et il y a deux grands types de symbiose entre les plantes et les champignons sur les continents, sur le milieu terrestre. Ce sont les lichens qui associent algues et champignons, qu'on trouve sur les rochers, qu'on trouve sur les bancs, qu'on trouve sur tous les systèmes, les écosystèmes extrêmes. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vais surtout parler de l'autre symbiose, qui est l'interaction entre plantes et champignons supérieurs, qu'on appelle mycorhize. Mycorhize, ça vient de mycès, champignon, mycélium, et rhiza, racine. Donc une mycorhize, c'est une racine champignon. En fait, c'est la structure qui va se créer quand certains champignons du sol vont interagir avec le système racinaire de la plupart des espèces d'arbres sur notre planète. Et vous avez ici un exemple typique de cette interaction, c'est une interaction mycorhizienne. Alors on a deux types de symbioses mycorhiziennes, les ectomycorhizes, où le champignon qu'on voit ici en vert, coloré en vert par un colorant tout à fait typique de la structure des champignons, ce champignon entoure complètement la radicelle, la petite racine, et pénètre, alors forme un manchon autour de la racine, mais en même temps pénètre, vous voyez ici les filaments verts, les cellules du champignon, pénètrent entre les cellules colorées en rouge de la plante, mais ne pénètrent jamais à l'intérieur de la cellule végétale. Le champignon pénètre dans la racine, mais pas dans les cellules de la racine. C'est pour ça qu'on les appelle ectomycorhizes. C'est une symbiose mycorhizienne qui reste toujours ectotrophique.
On connaît d'autres symbioses dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui colonisent la plupart des plantes herbacées, y compris les céréales et les plantes d'intérêt agronomique. Ce sont les endomycorhizes, où dans ce cas, le champignon est capable de pénétrer à l'intérieur de la cellule végétale et de former une structure symbiotique. Mais dans le cas des ectomycorhizes, vous avez ici une interaction entre un jeune pin, alors vous reconnaissez son système racinaire, et puis toutes les racines, toutes les petites racines, les radicelles de cet arbre, vous voyez ici les points blancs, eh bien elles sont entourées de ce manteau, de ce manchon fongique. Toutes les radicelles d'un arbre, donc le milliard de radicelles, de petites racines d'un chêne centenaire, toutes, ou 99%, sont en interaction permanente, constante, avec un certain nombre de champignons. Ça va, quand je dis ça, un certain nombre de champignons, ça va d'une dizaine à plus de 250 espèces de champignons différents pour un chêne. Donc vous avez, si vous zoomez sur ces radicelles entourées de champignons, vous observerez cette structure. La radicelle de l'arbre est complètement transformée par la présence du champignon qui induit un certain nombre d'hormones qui stimulent la croissance des racines, et en particulier de l'apex des racines, mais la totalité de la radicelle est recouverte de ce manteau de champignons, et à partir de ce manteau de champignons, de cette racine transformée, un réseau fongique, mycélien, va coloniser le sol, comme vous le voyez ici, et former des kilomètres et des kilomètres de filaments connectés au système racinaire. Oui. C'est tout à fait typique de ce qu'on a dans un écosystème en bonne santé. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Un arbre, un chêne centenaire, il va évidemment avoir 40 mètres de haut, mais son système racinaire va occuper un volume à peu près équivalent. Et la quasi-totalité, les trois quarts, disons, des racines, des radicelles responsables de l'absorption vont se trouver dans les 20 à 30 premiers centimètres du sol. En fait, un arbre, c'est deux pyramides inversées. Vous avez la partie aérienne, hein, un peu un sapin, et en fait, la partie souterraine est à peu près équivalente. Certaines racines vont s'étendre jusqu'à 20 ou 30 mètres de profondeur, mais là, c'est des racines d'ancrage et essentiellement utilisées pour l'absorption d'eau. En fait, les radicelles, les racines qui sont responsables de l'absorption des nutriments, se trouvent sur les 20 à 30 premiers centimètres. Et là, il y en a plus d'un milliard pour un chêne. Et toutes ces radicelles sont colonisées par le champignon. Donc ce champignon, il va former une structure de protection vis-à-vis du monde extérieur et contre les agressions. Et puis, il va servir, comme on va le voir, de système d'absorption. Vous voyez bien, tout ce que vous avez en blanc, là, c'est du réseau mycélien qui explore le sol. Pour un mètre de racine, on a 1000 mètres. 1 km de filaments mycéliens en interaction. Donc le volume de sol exploré, il est multiplié par 100, voire 1000. Et donc c'est ce système-là, cette prothèse ajoutée au système racinaire, qui va être responsable de l'absorption des micro-éléments, azote, phosphate, zinc, tous les éléments nécessaires à l'absorption de la plante. Mais en plus, ces filaments microscopiques sont extrêmement ténus. Ils font 10 microns de diamètre, alors que la racine, elle fait 1 millimètre de diamètre. Donc ces filaments microscopiques, ils augmentent la surface d'absorption, mais en même temps, ils sont capables de pénétrer dans la moindre anfractuosité du sol à la recherche de phosphore et d'éléments nutritifs. Donc, s'il y a une chose que vous devez garder à l'esprit, c'est ça. Ces champignons symbiotiques, c'est une extension massive du système racinaire. Donc, en fait, c'est schématisé sur ce graphique. Hein. C'est la symbiose mycorhizienne, j'ai l'habitude de dire, c'est un kit de survie. Parce que les arbres, les forêts, depuis des milliers d'années, ont été repoussés par l'homme sur des sols extrêmement pauvres. Et sur ces sols pauvres, pour que le cycle de vie et les cycles biogéochimiques soient maintenus, il faut absolument que ces arbres soient en interaction avec les champignons symbiotiques. Donc vous avez ici une représentation en trois dimensions de la racine, avec son cylindre central, son cortex, son parenchyme cortical, son épiderme. Eh bien, vous voyez que cette racine, elle est recouverte par un feutrage dense de champignons, et qu'à partir de ce feutrage, il y a un réseau mycélien qui explore le sol. Donc l'eau
et les éléments nutritifs, comme l'azote, le phosphore et le potassium, sont absorbés par les éléments fongiques, transférés au manteau, transférés à la racine, et de là, ils vont migrer vers les parties aériennes. Et en échange, en rétribution de cette activité de prospecteur, de mineur et de transporteur, eh bien, la plante va fournir aux champignons des sucres simples, comme le saccharose. Donc, vous avez un flux opposé qui, les sucres de la partie aérienne, les sucres simples de la partie aérienne, le saccharose en particulier, migrent vers le système racinaire, et à peu près 20 à 30% de ces sucres sont alors transférés vers le champignon. Et ces champignons sont totalement dépendants de la plante pour leur sucre simple. Donc on a bien une symbiose, on a bien une coopération, on a bien un mécanisme mutualiste. Le champignon fournit à la plante des éléments nutritifs indispensables à sa croissance, et le champignon va bénéficier des sucres de la plante hôte. Alors vous allez me dire, oui c'est bien beau, ça existe en forêt, dans les écosystèmes naturels, est-ce qu'on pourrait utiliser ce système, nous, forestiers, pour stimuler la croissance des plantes? Eh bien oui, vous avez ici mon collègue Cyril Bach, qui tient entre les mains deux sapins de Douglas. Dans sa main droite, il a un sapin de Douglas qui a été mycorhizé par la microflore naturelle qui existe dans la pépinière forestière du centre de Nancy, de l'INRA de Nancy. Donc là, on n'est pas intervenu. C'est les micro-organismes, les champignons symbiotiques qui sont présents dans l'atmosphère, qui sont présents dans le sol, qui ont colonisé ce système racinaire. Et la croissance du plant est très, très bonne. Mais vous voyez ici, on a colonisé ce plant par un champignon qu'on a sélectionné. On a passé 20 ans pour, par des tests successifs, sélectionner un champignon particulier qui est particulièrement apprécié par le sapin de Douglas, qui est inféodé au sapin de Douglas, qu'on appelle le laquaire bicolore. Et quand on inocule les jeunes germinations du sapin de Douglas par ce laquaire bicolore, on joue le rôle d'entremetteur, on les met en contact, la symbiose s'établit, la symbiose fonctionne, et là vous voyez que la croissance du plant de sapin de Douglas est quasiment doublée. Donc les forestiers peuvent aujourd'hui utiliser ces symbioses naturelles pour remplacer les engrais et les autres intrants que parfois les pépiniéristes forestiers utilisent. Donc il peut avoir une application de ces symbioses. Voilà. Mais revenons à l'écosystème forestier. Je vous ai dit qu'il y avait des réseaux mycéliens. Que ces réseaux mycéliens connectaient toutes les racines entre elles. Là, je fais un zoom avec un collègue canadien, a fait une magnifique photo au microscope confocal de ces réseaux mycéliens. Là, on est à proximité de la racine. Et vous voyez qu'il y a tout un ensemble de filaments fongiques entremêlés. Eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, ces filaments microscopiques, fongiques, ce réseau mycélien, appartenant à différents champignons, la manite tumouche, le bolet, ils sont bien en contact avec une plante, mais peuvent également interconnecter les plantes entre elles. On a démontré, plusieurs équipes à travers la planète, ont démontré que dans beaucoup d'écosystèmes forestiers, tempérés, boréales, les arbres étaient en interaction, couplés et interagissaient par le biais de ces réseaux mycéliens que vous avez ici de différentes couleurs, pourpre ou brun. Donc ces réseaux mycéliens ne se contentent pas de nourrir les plantes et de créer des réseaux au sein du système racinaire, mais ils peuvent également connecter les différentes plantes entre elles, les plantes qui appartiennent à la même famille, comme ces deux pins, mais également des plantes qui appartiennent à des groupes végétaux différents, comme ces conifères et ces feuillus. Et Marc-André Selosse, du Muséum d'Histoire Naturelle, a montré que même certaines orchidées, qui ont eux-mêmes leur propre réseau mycélien, étaient capables d'aller piquer des sucres et des éléments nutritifs qui transitaient à travers ces réseaux. Donc aujourd'hui, on sait que ces réseaux mycéliens, certains disent cet Internet souterrain, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais ce réseau mycélien connectait les arbres les uns aux autres et était capable de contrôler une partie du flux de carbone qui transite à travers la forêt.
Alors, les chiffres sont contradictoires, mais ça pourrait être de l'ordre de 4, 5, 10, 15, pas plus de 20%. Mais c'est déjà beaucoup. Des sucres qui transitent et des éléments nutritifs qui transitent avec la forêt, à travers la forêt, pourraient transiter par ces réseaux souterrains, ces réseaux sociaux souterrains qui interagissent et qui interconnectent les différentes plantes les unes aux autres. Alors, Peter Volleben a écrit un très beau livre, La vie secrète des arbres, et il a décrit ces réseaux mycéliens, mais il l'a fait de façon, à mon goût, un peu trop anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il va même jusqu'à parler d'une maman arbre qui nourrit son bébé arbre par le biais de ces réseaux-là. Très honnêtement, nous autres scientifiques, on n'a pas encore la démonstration de ces connexions aussi importantes. On sait que les réseaux existent, on sait qu'il y a des éléments nutritifs qui transitent entre eux, mais on manque de preuves expérimentales pour quantifier l'importance réelle, l'importance écologique de ces différents réseaux. Ce qu'on sait, c'est que quand on fait une carte d'une forêt, là on a une vue aérienne d'une forêt, les arbres sont représentés par ces cercles bruns ou verts. On sait que un champignon peut connecter jusqu'à 5 à 6 arbres. Donc on a bien les arbres d'une même forêt sont connectés parfois par le même individu fongique. Le même champignon, le même individu génétique fongique va pouvoir connecter différents arbres. Donc les réseaux existent bien. Les réseaux probablement assurent le transfert d'une partie des nutriments entre les arbres. Ce réseau probablement assure une partie, à mon avis probablement faible, du transfert de carbone entre les plantes. Donc un des fronts de science aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre in situ, en forêt, pas simplement au laboratoire, où on a deux, trois plantes qui interagissent dans un pot, mais vraiment au laboratoire, vraiment en forêt, in situ, comment ces réseaux mycéliens assurent les mouvements d'énergie, de nutriments, voire de signaux d'alerte entre les différents éléments de la forêt. Mais c'est vrai que ça a été une révolution scientifique récente de la prise de conscience de ces réseaux écologiques souterrains. Alors, je vérifie pas le temps, là, vous me dites quand même si je suis trop bavard. Et j'ai démarré à 10, donc j'ai encore un peu de temps. À moins que vous soyez fatigué. Alors la question qu'on peut se poser, on a introduit cette notion de coopération, de symbiose. J'espère que je vous ai convaincu qu'un arbre ne peut pas fonctionner sans son cortège de symbiotes. Vous avez vu sur les photographies que les racines de la plante sont vraiment très fortement colonisées par ces champignons. Si je fais une reconstruction trois dimensions de cette racine mycorhizée, voilà ce que j'obtiens là. Vous avez le parenchyme cortical de la racine, vous avez la cellule de l'épiderme de la racine, vous avez le manteau fongique qui recouvre la surface de la racine, et vous avez une représentation de ce réseau intercellulaire en trois dimensions. Et là, on s'aperçoit que c'est massif, c'est comme une pieuvre qui enrobe, qui entoure chacune des cellules de la racine. Et on a calculé la quantité de matériel fongique qui était présent dans la racine, et au bout de deux semaines de contact, quand la symbiose est terminée et que son développement est complet, on a 50%. Entre 40 et 50% de la biomasse racinaire est constituée de champignons. Imaginez que vos pieds et vos jambes soient colonisés par un champignon et qu'au bout de deux semaines, il représente 50% de la masse du poids de vos pieds et de vos jambes. Que devrait-il se passer si vous êtes en bonne santé? Votre système, d'abord, vous auriez du mal à marcher, peut-être, à moins que le champignon vous procure une certaine légèreté, mais surtout, votre système immunitaire n'aurait pas toléré une invasion, une infection aussi massive par un organisme fongique. Donc, comment se fait-il que notre plante, les racines de la plante, soient capables de tolérer, d'accommoder une telle quantité de champignons dans son système racinaire ?
Eh bien, c'est la question qu'on s'est posée, qu'on se pose toujours depuis maintenant une dizaine d'années dans mon groupe, où on cherche à comprendre comment ces symbiotes mycorhiziens, qui ont l'air d'être bien sympathiques, ils coopèrent, ce sont des symbiotes. Comment se fait-il, comment font-ils pour contrôler les défenses immunitaires de la plante hôte? Donc en fait, on n'est pas capable d'étudier ça en forêt. Donc on est amené à reproduire une forêt dans une boîte de pétri, où là vous avez des jeunes plants de peupliers qui interagissent avec un champignon, le laquaire bicolore que je vous ai introduit tout à l'heure. Et aussitôt que les filaments microscopiques du laquaire bicolore entrent en contact avec les radicelles, ils forment la symbiose ectomycorhizienne, où les racines sont profondément transformées par la présence du champignon. Quand on fait une coupe, on a bien cette vision que je vous ai projetée, hein, d'une interaction intime. Et grâce à ce matériel-là, on peut faire on peut étudier le métabolisme, on peut étudier l'expression des gènes, on peut étudier les processus moléculaires qui amènent au développement. Et on s'est concentré sur un petit groupe de gènes, un petit groupe de protéines, qui est très étudié dans le cadre des interactions entre les plantes et les bactéries ou les champignons pathogènes. On sait que dans ces systèmes, le champignon pathogène ou la bactérie pathogène émet, relargue dans le milieu extérieur, des petites protéines. Elles sont sécrétées dans le milieu extérieur, et ces petites protéines de masse réduite, si je vous dis 5 kilodalton, 7 kilodalton, ça vous dit quelque chose ? Quelques centaines d'acides aminés, donc des petites protéines, elles sont en fait injectées dans la cellule de l'hôte. Elles migrent très rapidement vers le noyau des cellules de l'hôte, où là elles prennent le contrôle du fonctionnement de l'expression des gènes de la plante hôte. On appelle ces protéines des effecteurs, parce qu'ils ont un effet sur l'organisme associé. Donc on s'est dit, mais finalement, allons voir si ces champignons symbiotiques, qui ont l'air bien sympathiques, ne pourraient-ils pas utiliser les mêmes mécanismes pour contrôler leur plante hôte. Donc on a étudié ce qui se passait quand le filament du champignon symbiotique, que vous avez ici représenté, c'est l'apex, la pointe du filament, qui s'approche de la surface racinaire. Eh bien, on s'est aperçu qu'effectivement, dans le milieu, on voyait apparaître des petites billes rouges, qui sont en fait des petites protéines. Certaines sont utilisées pour coller le mycélium à la surface de la plante. On les appelle des protéines glues. Du coup, le champignon est amarré, ancré à la surface de la racine. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était ces petites billes rouges qui pénétraient à l'intérieur de la cellule des racines de peuplier. Et là, on s'est aperçu que plusieurs d'entre elles, alors je ne vais pas aller dans les détails moléculaires, ce n'est pas le jour, hein, mais on s'est aperçu qu'en particulier une petite protéine qu'on a appelée petite protéine induite par la mycorhisation était capable d'interagir avec des facteurs de régulation transcriptionnelle qui sont situés dans le noyau de la plante hôte. Et ces facteurs de régulation transcriptionnelle ont un rôle extrêmement important. C'est eux qui contrôlent les réactions de défense. Et donc, en fait, le champignon symbiotique est capable d'injecter dans sa plante hôte des éléments prenant le contrôle des réactions de défense et neutralisant les réactions de défense. Donc en fait, le champignon symbiotique, il fait un coup d'état. Il empêche la plante hôte de mettre en branle ses réactions de défense. Donc vous voyez, quand on dit que c'est une coopération, que ces champignons symbiotiques sont mutualistes, on s'aperçoit qu'ils peuvent utiliser des mécanismes qu'ils partagent avec les champignons pathogènes. En fait, est-ce que lors d'un mariage entre une plante et un champignon, est-ce que c'est vraiment un mariage quand on voit que le micro-organisme prend le contrôle de sa plante hôte? Donc on en est là de la compréhension des mécanismes moléculaires au niveau de ces intimes interactions. Mais dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais qu'on revienne à l'écosystème et en particulier à l'évolution de ces écosystèmes dans les prochaines années. Parce que nous autres chercheurs forestiers sommes assez inquiets. Quand j'ai rédigé le livre Sous la forêt, il y a maintenant 3 ans, le livre commence par un chapitre sur l'état de la forêt française, et c'est plutôt un constat optimiste. C'est-à-dire,
La forêt française, aujourd'hui, elle a doublé de superficie en moins de 50 ans. Chaque année, il y a 100 000 hectares supplémentaires de forêt et de bois sur le territoire national, en métropole. Aussitôt vous vous promenez quelque part au centre de la France ou dans les Alpes, vous voyez bien que, suite à la déprise agricole, les forêts recolonisent tous les territoires. Les forêts sont en bonne santé. Quand on fait le bilan des dépérissements, ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc voilà, on avait plutôt une vision, il y a encore 3 ans, optimiste de la forêt française. Aujourd'hui, on a eu toute une série de dépérissements qui sont apparus, massifs, dans plusieurs régions de France, en particulier dans les Vosges. Le sapin des Vosges meurt massivement dans certaines vallées du sud des Vosges, en particulier la vallée de la Dolère, qui est située dans le parc des Hautes-Vosges d'Alsace. Près de 20% des sapins sont morts en un an. Les épicéas, de même, les épicéas dans les Vosges, et en particulier dans la plaine du Piémont vosgien, on assiste à des dépérissements massifs des épicéas, avec des attaques extrêmement fortes par des insectes prédateurs, les scolytes. Et là aussi, on a des chiffres énormes, de l'ordre de 15-20% du massif forestier, dans certains endroits, a disparu en un an ou deux. Et puis, tout récemment, on s'est aperçu que dans les chênaies du nord de Paris, dans l'Oise, la forêt du château de Chantilly, la forêt de Compiègne, également, près de 70% des chênes sont malades et pourraient être amenés à disparaître. Donc là, on est en train de... On est inquiet, on ne sait pas si c'est quelque chose de transitoire ou si c'est le résultat des 3 années de sécheresse consécutive qu'on vient de vivre. Est-ce qu'on n'a pas atteint un point de basculement ? C'est-à-dire que les écosystèmes terrestres, les écosystèmes forestiers sont en train de basculer vers le dépérissement massif. Donc là, on est vraiment inquiet. Et du coup, on développe énormément de recherches sur ces aspects de manière à essayer de comprendre si effectivement ces dépérissements vont s'atténuer ou si on est parti pour 20, 30 ou 40 ans de modification des écosystèmes terrestres et en particulier des écosystèmes forestiers. Alors pourquoi on est amené à être un peu pessimiste ? Eh bien vous avez en mémoire tous, on en parle beaucoup, des modèles du GIEC, donc on nous prédit, si on respecte les accords de Paris, de la COP21, on devrait aller vers une modification des températures moyennes annuelles de l'ordre de 1,5 à 2 degrés par an. Malheureusement, notre société n'a pas l'air de beaucoup bouger, en tout cas politiquement ça n'a pas l'air d'être très fort, on va probablement aller vers des modifications de la température annuelle moyenne de 4 degrés. Et puis certains prédisent même qu'on pourrait monter à 6 degrés de modification. Alors, ça veut dire quoi 6 degrés ? Ouais, c'est ça, la moyenne annuelle lissée, ça veut dire qu'il peut y avoir des moments dans l'année où la température peut augmenter de 10 ou 15 degrés. Hein, mais si on prend cette valeur moyenne de plus 6, ça veut dire quoi? C'est ce qui a été représenté sur ces diapositives. Vous avez ici, on est en ce moment là, 2000. Si on soustrait 6 degrés à la température annuelle moyenne, en fait, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, ou ce qu'il y avait sur nos territoires ici il y a 15 000 ans, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui dans la toundra et le cercle polaire. Et plus 6 degrés, c'est le climat que l'on connaît dans le sud de l'Espagne ou le nord de l'Afrique du Nord, la Sicile, c'est un climat méditerranéen typique. Donc 6 degrés, c'est énorme. Les biomes, les écosystèmes vont radicalement changer. Ça, c'est la température aujourd'hui à Montpellier, en moyenne, 14 degrés. On prédit qu'en 2060, cette température-là, elle sera atteinte à Clermont-Ferrand. C'est-à-dire qu'en 2060, mes petits-enfants, quand ils iront à Montpellier, ils auront le même climat qu'à Montpellier. Et à Nancy, super, en 2070, on aura le climat de Montpellier. Donc certains vont s'en réjouir, je suis certain qu'on n'aura même plus besoin de descendre dans le sud de la France, on aura un climat remarquable dans le nord de la France. Mais ça veut dire que les plantes vont devoir, en moins de 40 ans, migrer pour rester aux températures où le chêne et le hêtre vivent aujourd'hui, où il a trouvé son,
son biome, son écosystème idéal, température et précipitation idéale. S'il veut conserver, si les hêtres et les chênes de la forêt de Fontainebleau veulent rester dans les mêmes conditions de température et de précipitation, ils vont devoir migrer de 300 km vers le nord. Et on va leur demander de faire cette migration-là en 100 ans, en moins de 100 ans probablement. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Eh bien non, parce que si on revient sur notre histoire du continent européen, on sait exactement combien de temps le chêne a mis pour recoloniser l'Europe suite aux grandes glaciations. Je vous rappelle qu'il y a 13 000, 14 000 ans, ici, c'était la toundra, c'était la steppe. Pourquoi? Parce qu'on avait un immense glacier qui couvrait le nord de toute la Scandinavie, qui allait jusqu'aux Pays-Bas actuels, et donc toute la zone en aval de ce glacier était ici, jusqu'au sud de la France, c'était un immense glacier, et la toundra. Et puis quand le climat s'est radouci, il y a 10 000, 11 000 ans, le glacier a fondu, le climat s'est radouci, eh bien, la végétation a recolonisé l'Europe. Eh bien, les chênes qui étaient, il y a 12 000 ans, 13 000 ans, réfugiés dans le sud de la péninsule ibérique, de la péninsule italique ou des Balkans, année après année, ils ont migré vers le nord. Mais ces chênes, ils ont mis 1 000 ans pour parcourir 300 km et se distribuer tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc on demande aux plantes d'aller 10 fois plus vite, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Donc probablement on sera incapable, enfin ces forêts vont disparaître, et on a ici une carte prédictive des écosystèmes forestiers français actuels. Donc ici, en rouge, vous avez la flore méditerranéenne et les arbres méditerranéens avec leur cortège de micro-organismes qu'ils connaissent aujourd'hui, dont la truffe par exemple. Et puis vous avez ici toutes les forêts de plaine et de montagne tempérées avec les hêtrés et les chênaies. Eh bien, dans moins de 100 ans, voilà ce qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire que la flore méditerranéenne remontera jusque la Loire et la Franche-Comté. Les forêts tempérées et très échaînées auront complètement disparu. Alors c'est peut-être des scénarios très pessimistes, mais vous voyez que c'est possible qu'on ait ce type d'écosystème dans moins de 50 ans. Alors évidemment, dans ces modèles, on ne prend pas en compte la variabilité génétique, la plasticité des différentes espèces qui est aujourd'hui, la capacité de migration est mal connue. Donc on essaye de développer des modèles qui soient plus réalistes et qui prennent en compte ces mécanismes physiologiques, ces mécanismes d'adaptation potentielle. Mais on va demander beaucoup aux plantes. Et quand je dis aux plantes, vous avez bien compris que c'est aux arbres-monde, c'est-à-dire aux plantes et à tout leur cortège de micro-organismes. Quand un chêne va mourir, c'est tout son cortège de micro-organismes qui va disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour... quel avenir on peut imaginer pour ces forêts dans l'Anthropocène? Quels sont les travaux qui sont en cours? D'abord, c'est d'adapter la sylviculture, hein, de faire des rotations plus courtes, avoir des densités plus faibles, parce qu'actuellement, les grandes futaies cathédrales qu'on connaît, en particulier dans la région parisienne, il y a une telle densité d'arbres à l'hectare qui pompent des quantités d'eau extraordinaires. Donc en diminuant la densité, on pourrait être éventuellement amené à modérer cette consommation d'eau. Favoriser le mélange d'espèces. On a beaucoup trop planté de sapins de Douglas dans le Limousin ou de plantations de pins sylvestres en Aquitaine, etc. Bon, plutôt des mélanges d'espèces. Favoriser des forêts donc beaucoup plus hétérogènes. Et essayer de favoriser la migration naturelle. Je viens de vous démontrer que c'est impossible pour les arbres de migrer de 300 km en 10 ans. Donc actuellement, c'est ce que l'ONF, l'Office national des forêts, essaie de faire. Eh bien, c'est une migration assistée. Ils ont un grand programme qui s'appelle Giono, en mémoire au livre de Giono, l'homme qui plantait des arbres, où ils plantent des îlots d'avenir. À travers le territoire, du sud vers le nord, on plante différentes espèces d'arbres. Des espèces du sud de la France, on est amené à les planter dans le nord de la France. Par exemple, dans les Vosges, comme le sapin des Vosges est en train de mourir, est-ce qu'on ne peut pas le remplacer par le sapin de Turquie? Mais là aussi, si on remplace le sapin des Vosges par le sapin de Turquie, est-ce que le sapin de Turquie, quand je vais le planter dans la vallée de la Dolère au nord de Mulhouse, est-ce qu'il va trouver ses symbiotes?
mycorhiziens ? Ou est-ce qu'il faut qu'en même temps que les arbres, on amène le cortège de micro-organismes symbiotiques ? Donc envisager éventuellement une migration assistée des arbres avec leur microbiome. Et puis, voilà, c'est introduire des espèces mieux adaptées aux conditions climatiques du futur. Mais très franchement, aujourd'hui, on est dans l'expectative. C'est-à-dire qu'on est incapable de répondre aux demandes des gestionnaires forestiers qui veulent savoir quoi planter aujourd'hui pour dans 50 ans ou dans 100 ans. Hein, vous gardez en mémoire que le forestier, quand il plante un arbre, c'est pas pour lui, c'est pour ses petits-enfants. Donc il faut qu'on prédise l'avenir, mais on n'a pas de boule de cristal. Donc là, on est vraiment dans une très forte incertitude. Donc je voulais... Ah, je voudrais pas conclure quand même sur ces notes pessimistes, hein, mais si je reviens un petit peu sur mon discours, j'ai essayé de vous faire comprendre que les arbres vivaient en... C'était des univers qui vivaient en interaction avec un cortège de micro-organismes bien trop souvent invisibles. Évidemment, on va aller récolter les fructifications en forêt, on les voit, mais en réalité, ces organismes, ces arbres gigantesques sont en interaction permanente avec un invisible, que sont les champignons et les bactéries. Que certes, il y a compétition en forêt entre les espèces, mais il y a également coopération et symbiose. Et je suis convaincu que sans ces symbioses, les plantes n'auraient pas pu se développer sur les continents, les plantes n'auraient pas pu occuper le territoire qu'elles occupent aujourd'hui. Et puis, malheureusement, on s'aperçoit que notre société humaine est en train de mettre en péril ce peuple des arbres et de leurs associés et de leur cortège d'alliés. Et j'espère qu'on va, avec les recherches conduites aujourd'hui, qu'on va pouvoir atténuer en partie les effets catastrophiques qu'on a provoqués sur notre planète. Donc voilà, je conclue sur une note un peu plus optimiste et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci. Voilà, donc la discussion peut commencer. Je voulais vous poser une question par rapport aux champignons décomposeurs. Vous avez parlé des pourritures blanches et brunes. Oui. Quand elles sont sur le tronc, est-ce qu'elles sont néfastes à l'arbre, enfin... Alors la question est, on a parlé de pourritures blanches et de pourritures brunes. Est-ce qu'elles sont néfastes à l'arbre? Alors généralement, ces pourritures blanches et pourritures brunes, elles interviennent que sur les arbres morts ou affaiblis. Donc vous pouvez... Parfois, observer sur des arbres encore vivants, ces consoles, ces polypores sur l'arbre, et ces polypores colonisent en fait le cœur de l'arbre, le duramen, la partie morte de l'arbre, et donc l'arbre peut continuer à vivre. Donc a priori, enfin, dans la plupart des cas, ces champignons sont décomposeurs, se nourrissent de la matière morte, mais certains d'entre eux, on a parlé de l'armillaire, je vous ai montré une photographie de l'armillaire. L'armillaire est un décomposeur, mais en même temps, ça peut être un pathogène. Donc, quand les forêts sont affaiblies, quand les forêts sont stressées, quand les forêts sont dépérissantes, eh bien, évidemment, les défenses immunitaires de la plante sont également affaiblies, amenuisées, et là, certains de ces décomposeurs peuvent se transformer en pathogènes. Et on connaît des forêts qui sont entièrement attaquées par l'armillaire, qui propagent ses cordons noirâtres d'arbre en arbre, pénètrent entre l'écorce et le duramen, et de ce fait tue la partie vivante de l'arbre, et la circulation des éléments nutritifs et de l'eau s'arrête, et l'arbre meurt sur pied. Je vous ai dit qu'il y avait un continuum, hein, donc on va avoir des cas de décomposeurs purs et durs, ils peuvent ne fonctionner que sur du bois mort, sur les branches mortes tombées sur le sol, et puis d'autres sont entre les pathogènes et les décomposeurs. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour votre exposé. C'est très intéressant. J'avais plusieurs questions par rapport à ça. Vous dites qu'aujourd'hui, vous travaillez du coup sur à l'INRA, si c'est bien ça, sur l'ensemencement du coup des mycorhizes.
Et vous avez dit lors de votre exposé que vous pratiquez un peu du mono-ensemencement avec une seule espèce particulière. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à faire comme dans la nature, ou est-ce que ça a été montré ou pas de mélanger un peu plus les espèces, ou est-ce qu'il y a une sorte de compétitivité entre les espèces champignons entre elles? Non, c'est une très très bonne question, mais voilà, il faut rester humble. C'est-à-dire que il nous a fallu comprendre cette interaction symbiotique, et puis après, pour sélectionner un seul de ces champignons, ça représente quasiment 20 ans de recherche, de tests, parce que finalement, si vous faites ça dans un pot, vous déconnectez dans un pot, dans une serre, dans des conditions très contrôlées, on se déconnecte complètement de la complexité écologique. Donc il faut faire tous ces essais sur le terrain. Donc ça veut dire, pendant des années, c'est colonisé par le champignon X, Y ou Z, et puis voir, selon le contexte écologique, et ce contexte écologique peut être différent si on est sur le piémont des Vosges, ou dans le Limousin, ou dans le nord de Paris. À ce moment-là, il a fallu beaucoup de temps pour sélectionner un champignon. Donc on en a deux ou trois autres qui pourraient être utiles, mais après, on a du mal, on arrive à être entremetteur entre une espèce de champignon et l'arbre. On n'a jamais réussi à inoculer une espèce d'arbre, un arbre, avec deux ou trois espèces de champignons. C'est trop compliqué. Et là, il faut être humble, on n'y arrive pas. Oui, c'est du coup, ça veut dire que les plants qu'on introduit, ils sont pas parfaits. C'est-à-dire que le sapin de Douglas, il est colonisé massivement par le laquère bicolore. Et donc, quand on l'introduit en forêt, alors en plantation, généralement, c'est pas en forêt, c'est dans une zone qui a été éclaircie, on s'est aperçu que parfois le champignon persistait sur le système racinaire, et on est revenu récemment, 30 ans après, à des plants inoculés, alors maintenant qui sont immenses, hein, et il y a encore plus d'un tiers du système racinaire qui est colonisé par le champignon qu'on a introduit il y a 30 ans. Et puis il y a d'autres endroits où, après un an seulement, ce champignon introduit par l'homme a été complètement éliminé par la microflore locale. Donc là, il y a une notion d'écologie qu'il faut garder extrêmement prégnante, c'est qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres. Alors l'idéal serait effectivement qu'on prenne un chêne, qu'on prenne un sapin de Douglas, et qu'on puisse l'inoculer par 10, 15 ou 20 espèces, des espèces qui sont spécialisées dans l'absorption de l'azote, des espèces spécialisées dans l'absorption du phosphate, des espèces spécialisées dans l'absorption du potassium ou de l'eau. Là, ce serait parfait. Mais on en est totalement incapable aujourd'hui. Alors après, il y a les champignons, c'est plutôt mieux d'introduire avec une seule espèce, hein, c'est la truffe. L'autre grand exemple, le bel exemple que je présente toujours, parce que c'est un exemple réussi d'inoculation contrôlée, de mycorhisation contrôlée, c'est la truffe. La truffe noire du Périgord et la truffe noire de Bourgogne, aujourd'hui, 80% des truffes qui sont récoltées en France sont récoltées à partir de plants qui ont été plantés et inoculés par la truffe noire. Donc là, et on a envie d'en avoir qu'un. C'est sûr que celui qui achète des plants de truffes noires du Périgord, il veut absolument que ces arbres restent inoculés, infectés et colonisés par la truffe noire du Périgord. Parce qu'il va falloir attendre 4 ans, 6 ans, 8 ans avant que ce réseau mycélien associé aux plants inoculés et plantés produise des truffes. Si cette truffe est remplacée par d'autres champignons, il va être mécontent. Oui, quand je plante un arbre, par quel mystère trouve-t-il les champignons qui lui permettent de vivre là où je le plante? En fait, on est saturé de champignons, on est saturé de spores de champignons. Là, peut-être pas dans cette salle, parce qu'on est au cœur de Paris, mais normalement, toutes les secondes, à chaque respiration, vous aspirez une dizaine, une quinzaine de spores de champignons. Alors souvent, c'est des pénicilliums, des aspergillus, mais c'est aussi du bolet, des spores de chanterelles. Donc en fait, l'atmosphère dans une forêt est saturée de spores de champignons, et puis ces spores tombent sur le sol, colonisent le sol, il y a des milliards. Un cep, il va disséminer dans l'atmosphère tous les jours 1 milliard de spores. Donc dans la durée de 15 jours de vie d'un cep, il va avoir entre 15 et 30 milliards de spores qui vont être disséminés dans l'atmosphère, qui vont tomber sur le sol. La très grande majorité d'entre eux, probablement même 99,99% de ces spores, vont tomber dans un endroit inadapté, soit vos poumons, soit le macadam, soit une flaque d'eau. Mais certains vont tomber sur un bon humus, sentir la présence de la racine, germer et coloniser l'arbre. Donc en fait, il n'y a pas trop de... Dans la plupart des cas,
il y a suffisamment de spores en forêt pour que les espèces locales d'arbres trouvent leur partenaire. Par contre, quand les colons britanniques ont introduit au Kenya et au Nigeria, ou à la fin du 19e siècle, pour construire les chemins de fer, le bois nécessaire au rail, ils ont introduit le pain des Caraïbes. Ben, ce pain des Caraïbes, quand il arrive en Afrique, aucun des champignons locaux n'était capable de reconnaître ce système racinaire et de s'y installer. Donc là, c'était un échec total. Jusqu'au jour où un pépiniériste anglais s'est dit « Mais si je prenais du sol des Caraïbes, donc il a pris les pins des Caraïbes avec leur sol, ils ont introduit ça en Afrique, et là, en moins de 50 ans, ces champignons se sont disséminés à travers le continent, et maintenant, les pins des Caraïbes survivent en Afrique. » C'est mon tour. Ma question, oui, allez-y. Ma question porte sur la mycorhisation et l'effet des engrais minéraux par rapport à la mycorhisation. Est-ce que l'apport d'engrais minéraux a tendance à favoriser la mycorhisation, comme si les champignons, trouvant ces éléments nutritifs, pouvaient prospérer et les transférer à l'arbre encore plus facilement? Ou est-ce qu'au contraire, il y a concurrence? Et est-ce que les éléments minéraux qui serait apporté par des engrais chimiques aurait tendance à diminuer la mycorhisation, la plante trouvant facilement par elle-même sa nourriture? Non, c'est bien cette dernière option. En fait, vous avez bien compris que cette coopération et cette symbiose mutualiste, elle avait un coût. Et elle avait un coût non négligeable, c'est-à-dire que 20, 25, voire 30% des sucres fabriqués par la plante, photosynthétisés, sont drainés par ce réseau de champignons associés. C'est un coût considérable. C'est un investissement, je dirais, considérable. Donc, en fait, si une plante, on lui offre des engrais, des intrants, des engrais chimiques, NPK, ben, pourquoi elle n'a aucun effort à déployer pour absorber ces éléments nutritifs? Donc, elle stoppe l'interaction avec les partenaires symbiotiques et, du coup, elle n'investit plus les sucres nécessaires à l'établissement de la symbiose. Donc on voit un effet négatif instantané de ces engrais sur les symbioses. Donc dans un agrosystème, et en particulier dans les agrosystèmes intensifs type les grandes plaines céréalières, il n'y a plus de symbiose. Les plantes sont totalement dépendantes de l'agriculteur qui s'est substitué aux mécanismes naturels d'absorption et de fourniture des éléments nutritifs. Donc en fait, on a une très belle étude qui a été réalisée par nos collègues de l'université de Bâle, qui ont étudié la diversité des champignons mycorhiziens associés à différentes plantes herbacées, dont les céréales, les graminées. Dans un agrosystème intensif, les plantes vivent au mieux avec une dizaine d'espèces de champignons. On ne détecte dans le sol qu'au plus qu'une dizaine d'espèces de champignons. Si on passe dans la parcelle à quelques kilomètres où là, l'agriculteur fait du bio, on monte à 150 espèces de champignons mycorhiziens associés aux plantes. Et si on monte dans la prairie alpine un petit peu au-dessus, on arrive à 2500 espèces de champignons associées. Donc là, on a une démonstration spectaculaire, mais qui a été répétée dans beaucoup d'endroits sur la planète. L'apport d'engrais va neutraliser la symbiose parce que la symbiose est coûteuse. C'est pour ça que les agriculteurs chinois, les agriculteurs indiens, de plus en plus utilisent ces symbioses mycorhiziennes. On peut acheter des inoculums de champignons mycorhiziens pour favoriser la croissance du riz ou des plantes vivrières dans ces régions du monde où parfois ils ne peuvent pas se permettre d'acheter les intrants coûteux de l'industrie chimique. En France, c'est plus difficile à introduire ce système. Bonjour, juste une question. Vous avez parlé de la fragilité du chêne, notamment dans la région parisienne et dans d'autres régions, j'imagine. Est-ce que le hêtre est aussi fragile que le hêtre dans le... Est-ce qu'il y a les mêmes risques de maladie, d'évolution négative? C'est une question intéressante aussi. Alors, le hêtre, on connaît des dépérissements du hêtre. Donc, il y a aussi dans la plaine Lorraine, en particulier sur les sols hydromorphes, on observe un certain nombre de hêtrés qui sont en train
de dysfonctionner, peut-être même de dépérir. Le chêne, c'est plus spectaculaire parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte parce que le chêne, qu'est-ce que c'est le chêne ? C'est le chêne gaulois, c'est le chêne moustachu, c'est le chêne, c'est un symbole fort de notre identité française. Saint-Louis était assis sous un chêne. Mais en fait, la chênaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, la grande chênaie cathédrale, c'est une création du XIXe siècle. En fait, au Moyen-Âge, il y avait très peu de chênaies parce que le chêne est une espèce de zone ouverte. C'est plutôt une espèce pionnière. Donc aussitôt aussitôt que la forêt est fermée, le chêne devrait disparaître. Mais l'homme, enfin le forestier, le maintient. Donc aujourd'hui, quand on parle de forêt cathédrale, c'est essentiellement un tiers de chêne, deux tiers de hêtre, magnifique, forte densité, des arbres qui ont la même taille. Ça, ça n'existe pas. Si on laisse la nature se dérouler, les chênes vont disparaître très vite. Parce que le chêne, c'est une espèce de lisière, plutôt. Le hêtre, il est plus à son aise dans les régions du nord. Dans les Vosges, alors après, ça dépend si on est dans les vallées, ça dépend des versants, etc. Mais dans la plaine vosgienne, le hêtre est bien adapté, il peut monter assez haut. Donc pour dire que le chêne, c'est une pure. Enfin, c'est dur de dire ça, mais il ne se maintiendrait pas si le forestier le maintenait pas. Donc on pense qu'il a été, par exemple, dans l'Oise, dans le nord de Paris, les sols sont très mauvais. C'est des sols sablonneux. Donc il draine très rapidement, il y a peu d'eau. Et donc le chêne, qui est une espèce qui a besoin quand même d'une quantité d'eau impressionnante, il meurt actuellement parce que ça fait 3 ou 4 ans qu'on a des sécheresses prolongées, qu'au cours des hivers, les hivers ne sont pas si pluvieux que ça, même si aujourd'hui on a l'impression qu'ils tombent des cordes. En réalité, on a 400 mm au lieu des 800 mm attendus. Donc voilà, ça fait plusieurs années que les sols sèchent. Sécheresse édaphique, et donc le chêne est en train probablement de disparaître, ou en tout cas de s'affaiblir, et quand il s'affaiblit, ben il est attaqué par des ravageurs, et on voit que dans le nord de Paris, c'est souvent les hannetons, par exemple, les larves de hannetons sont en train de consommer massivement les racines. Donc est-ce que ça va s'amplifier ? C'est la question qui est posée actuellement par les gestionnaires forestiers. Pardon ? Ah, les résineux. Alors, les résineux, ça dépend. Je pense que l'Office national des forêts, la question était quid des résineux. Donc, je pense que je ne vais pas parler pour l'ONF. Je pense que ces grandes forêts de résineux, de plantations de résineux, c'est terminé. C'est-à-dire que on va plutôt vers des forêts mélangées. Parce que justement, les plantations sont soumises à tous les risques possibles et imaginables. Les ravageurs, souvent mal adaptés aux conditions environnementales. Donc, a priori, on ne devrait plus assister à de plantations massives de résineux. Sauf peut-être dans des régions comme l'Aquitaine, où l'Alpes-Maritime, c'est des forêts industrielles dans ce cas-là. Mais dans les autres forêts, ailleurs en France, on va plutôt aller vers des mélanges. Des forêts mélangées. Vous les gardez jusqu'à ce que vous puissiez les couper. Une fois qu'ils seront coupés, je pense qu'il vaudrait mieux aller. Le gestionnaire local va certainement vous recommander des forêts mélangées. D'accord. Mais il ne faut pas mettre les résineux au feu. Le pin sylvestre, par exemple, est très adapté au sol sablonneux. On parlait du nord de Paris. Probablement que la chênaie de Chantilly, il vaudrait mieux que ce soit une pinède. Alors, pas encore. Pas encore, là. Ouais, les hivers sont quand même beaucoup plus doux. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'on ait le palmier dattier avant 50 ans à Paris. Question en attente depuis longtemps.
Bonjour, j'aimerais en savoir plus sur la chaîne carbone en fait que vous avez expliqué au début de votre diaporama, parce que je me demandais quel rôle ça jouait de manière écologique en fait, parce que on parle énormément du rôle des forêts comme poumon de la terre, et je me demandais quel rôle avaient les champignons du coup par rapport à toute cette chaîne carbone et l'absorption de carbone que nous en fait on rejetait dans l'air. Voilà, la question est complexe, hein. Quel est le rôle de ces champignons dans le cycle du carbone, c'est ça en d'autres termes. Donc il y a quand même le point sur lequel j'ai insisté énormément, c'est que s'il n'y avait pas de champignons décomposeurs, on serait submergé de détritus végétaux. C'est-à-dire que les arbres et les plantes mourant, on serait complètement dépassé. Hein. Donc les champignons, quand les forêts sont apparues sur Terre, c'est-à-dire il y a à peu près 300 millions d'années, avant, il n'y avait pas de forêt. Hein, donc la forêt est une invention relativement récente à l'échelle des aires géologiques. Les forêts sont apparues il y a 300 millions d'années. Pendant 50 millions d'années, elles se sont accumulées, les arbres morts se sont accumulés, elles se sont transformées en lignite et en charbon. Et puis un jour, je vais devenir un peu anthropomorphique là, un jour un champignon s'est dit, mais waouh, quelle quantité de carbone, pourquoi ne pas inventer une enzyme capable de dégrader ce carbone ? Et donc un champignon qui ressemblait probablement à l'oreille de Judas, vous savez, auricularia, le champignon qu'on trouve dans les soupes chinoises, le champignon noir là. Hein. Eh bien, ce champignon, son ancêtre, a inventé une enzyme qu'on appelle une peroxydase à lignine. Et cette peroxydase à lignine est capable de découper la lignine, la lignine, donc ce composé polyphénolique qui constitue 50% du bois et qui est un des biopolymères sur notre planète les plus résistants. Il y a très peu d'organismes qui sont capables de dégrader la lignine, ce qui fait la résistance du bois et des arbres. Hein. À la fois la structure, c'est comme un béton armé, mais en même temps, il y a peu de champignons et peu d'organismes capables de dégrader ces lignines. Eh bien, ce champignon, il y a probablement 280 millions d'années, a inventé cette enzyme. Et de ce jour-là, ses descendants ont connu un succès évolutif énorme. Il y a eu des milliers d'espèces de pourriture blanche, ce type de champignons, capables de décomposer le bois, la matière organique, et donc de recycler le carbone. Avant, le carbone, il était piégé par ce bois. Et il se transformait, il se charbonisait au fur et à mesure. Donc ces facteurs biologiques ont complètement modifié le cycle du carbone. Et aujourd'hui, on ne peut que favoriser en fait cette interaction. C'est parce que quand on a une interaction symbiotique qui fonctionne bien entre un arbre et son cortège de champignons, sa croissance est stimulée, donc il fixe plus de carbone, il fabrique plus de bois, et donc on immobilise une plus grande quantité de carbone, de CO2, sous forme d'arbre, qu'il soit vivant, et puis après quand il meurt, mais il est recyclé. Et le carbone recyclé alimente la fertilité des sols, et va être minéralisé et réabsorbé par les générations suivantes d'arbres. Donc on a un cycle vertueux. Est-ce que ça répond à votre question ? Alors oui, donc ces champignons, quand ils développent leur réseau souterrain, j'ai insisté, c'est des kilomètres et des kilomètres. La totalité du sol, les 20 premiers centimètres du sol, est colonisée par ces réseaux fongiques. Et donc, ils immobilisent une partie importante du carbone, puisqu'ils récupèrent, soit ils décomposent, soit ce sont des champignons, ça profite des composeurs, et ils décomposent la matière organique pour construire leur propre structure et développer leur réseau, ou alors ils pompent 30% du carbone, du sucre des arbres, pour fabriquer leur réseau. Et quand ces réseaux meurent, ces champignons, en fait, dans leur paroi, il y a un composé, je n'ai pas osé vous l'introduire tout à l'heure pour ne pas être trop compliqué, qui est aussi un polymère extrêmement résistant, qui est la chitine. C'est un polymère de glucosamine. C'est la même molécule qui fait la carapace des insectes et des crustacés. C'est donc également une molécule extrêmement résiliente, extrêmement résistante. C'est vraiment une protection extraordinaire pour ces filaments fongiques sont protégés par la chitine. Et cette chitine, ben c'est du carbone. La chitine, c'est un polymère de glucosamine. C'est du glucose aminé. Et donc, quand les champignons meurent, leur chitine reste dans le sol. On l'a calculé, mon collègue Björn Lindahl en Suède a calculé qu'elle resterait dans le sol pendant 300 ans. Il faut 300 ans pour la décomposer et la transformer en éléments simples. Donc en fait, on a là aussi une partie importante du carbone dans un sol forestier. Ce n'est pas uniquement la matière organique végétale
qui est mobilisée, mais on pense que dans la forêt boréale en particulier, dans les grandes pinèdes de la taïga, une bonne moitié du carbone qui est immobilisé l'est sous forme de cadavres de champignons, de mycélium vide, de tubes vides, morts, mais riches en chitine. Vous avez parlé des effecteurs, c'est-à-dire oui. ces véhicules, disons, des pour inhiber. Oui, pardon. Excusez-moi. Vous parliez des effecteurs, c'est-à-dire ces véhicules qui inhibent. Alors la question est est-ce que la production d'effecteurs fongiques, donc des effecteurs par les champignons symbiotiques et les champignons pathogènes, est-ce que ces effecteurs, quand ils prennent le contrôle et ils modifient la biologie et le fonctionnement, la physiologie de la plante hôte, est-ce que ça se rapproche des systèmes immunitaires animaux? La réponse est oui, c'est-à-dire qu'en fait, les bactéries et les champignons qui infectent l'homme vont émettre le même type de protéines effectrices qui vont aller reconnaître dans les cellules animales, y compris les cellules humaines, qu'il s'agisse du cerveau quand on est attaqué par un cryptococcus ou les poumons quand on est attaqué par un aspergillus. Ils vont utiliser ces petites protéines pour aller identifier, cibler ce qu'on appelle des carrefours, des nœuds, des réseaux de gènes et de protéines qui assurent le bon fonctionnement de la cellule. Donc en fait, on sait que pour chacun, le bon fonctionnement d'une cellule animale ou végétale finalement se rapproche assez fortement. La plupart des gènes sont contrôlés par des gènes maîtres, des gènes architectes, qui ont le contrôle sur des centaines d'autres gènes, voire des milliers d'autres gènes. Et donc, au lieu d'aller modifier, altérer, affecter des milliers de gènes, les organismes qui attaquent ou qui veulent interagir avec une cellule végétale ou animale, ils vont au sommet, ils vont dans le siège principal de toutes ces activités, et ces protéines effectrices vont interagir avec ces nœuds de gènes ou de protéines. Et on observe exactement les mêmes choses, qu'il s'agisse de cellules humaines, animales ou végétales. Les mêmes principes, les mêmes mécanismes. Je ne dis pas que ce sont les mêmes protéines qui vont être utilisées par la truffe, le laquaire, l'aspergillus, le cryptococcus ou un agent de la peste, mais c'est le même principe. Chaque espèce de micro-organisme qui a été amené au cours de l'évolution à interagir avec une plante ou un animal, on s'aperçoit que chaque espèce de micro-organisme a su développer ce processus pour faire un coup d'État, prendre le contrôle du partenaire. Que ce partenaire, que ce soit dans le cadre d'une coopération ou dans le cadre d'une relation de parasite ou de pathogène. Donc oui, les principes de base sont très proches. Elle va avoir des chances de pousser parce que je suis sûr que vous ou votre épouse, vous allez lui ajouter des engrais. Alors, si la terre comprend, si c'est un terreau fertile, si la terre est riche, la plante va pousser jusqu'à épuisement de ses éléments nutritifs. C'est-à-dire que très rapidement, une racine, quand elle pousse dans un sol, elle absorbe très vite les éléments nutritifs qui sont autour de des radicelles, et au bout de quelques jours, il y a une zone de déplétion qui se crée. C'est-à-dire que tous les éléments nutritifs dans un rayon de 1 cm autour de la petite racine sont épuisés. Donc si le sol est assez riche pour que les éléments nutritifs viennent combler cette zone de carence, ça va marcher tant que le sol a un niveau de fertilité élevé. Le jour où tous les éléments nutritifs du pot ou de votre parcelle de jardin est épuisé, bah les plantes vont être chétives, elles vont pousser moins vite. Parce qu'il y a la création de cette zone de carence. Mais
En fait, nous, physiologistes végétaux, nous, biologistes des plantes, on est capable au laboratoire de supprimer cette symbiose, comme on le disait tout à l'heure, en apportant des éléments nutritifs. Le jour où il n'y a plus d'éléments nutritifs apportés et il n'y a plus de symbiose, bah, la croissance des plantes est terriblement diminuée. Oui. Oui, oui. Alors en fait, Non, justement, parce qu'en fait, le problème des pluies acides était essentiellement causé par l'émission de soufre, d'oxyde de soufre massif, qui acidifiait les pluies, et quand ces pluies tombaient sur le massif vosgien ou sur le massif de la forêt noire, quand les plantations étaient sur des sols pauvres en magnésium, l'acidité des pluies perturbait terriblement la balance cationique, la balance des éléments minéraux dans le sol, et créait une déplétion en magnésium pour les conifères. Le jour où, grâce à la réglementation européenne, on a arrêté de produire, d'utiliser de la lignine, la lignite et puis des charbons riches en soufre, si vous regardez les courbes de production de soufre en Europe, elles se sont effondrées. Il n'y a quasiment plus de, grâce à ce contrôle issu de la crise des pluies acides, en fait, on n'a plus de pluies acides. Dans la vallée du Rhin, par exemple, il n'y a plus de production de soufre. Donc la source principale d'acidité, qui rendait les pluies acides, a disparu. Et puis on a identifié. Oh, quasiment, j'ai vu encore la courbe hier, on a eu une rencontre avant-hier, et on a projeté cette courbe-là, c'est tout à fait spectaculaire, on est passé, allez, disons, de 1000 à 1. Donc, en gros, ça a complètement disparu, en tout cas, de la plaine alsacienne. Et puis, on a identifié la cause. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un déséquilibre calco-magnésien. Donc, maintenant, quand c'est nécessaire, on peut chôler. Et donc, pendant quelques années, on a vu des hélicoptères traverser le massif vosgien et répandre de la chaux pour compenser l'effet des pluies acides. Et puis, troisième point, pourquoi ces arbres sont morts suite aux pluies acides? Ben, ils étaient mal plantés. C'est-à-dire qu'il y a 150 ans, quand les forestiers allemands, parce qu'à l'époque c'était annexé, ont planté les épicéas, ils les ont plantés sur des sols beaucoup trop pauvres, en limite. Et encore une fois, on revient à ce que j'ai évoqué plusieurs fois aujourd'hui, les arbres qui vont mourir là, dans les prochaines années, y compris dans les chênaies du nord de Paris, ils ont été mal plantés par les forestiers du 18e, 19e siècle. Ah oui, absolument. Je ne peux pas répondre de façon très précise. Ce que je peux confirmer, c'est que oui, ces forêts sont un pur produit du 19e siècle. Donc en fait, par méconnaissance, hein, et bien sûr qu'aujourd'hui, un forestier, il n'irait pas planter des chênes. Sauf que si aujourd'hui, dans le domaine à Compiègne ou à Chantilly, si on dit aux citoyens, bon, on ne plante plus de chênes, on remplace par des pins, j'ose pas imaginer, ils vont venir s'enchaîner. Ils vont venir s'enchaîner aux chênes. Donc en fait, il y a cette notion, c'est-à-dire que vous avez l'impression que les arbres que vous voyez aujourd'hui, que les forêts que vous voyez aujourd'hui, ce sont des forêts naturelles. Non ! D'abord, il y a 2000 ans, au nord de Paris, c'était des villas gallo-romaines, il n'y avait pas de forêt. C'est les forêts de production qui alimentaient les légions romaines qui se battaient en Allemagne, en Germanie. Et donc, en fait, la forêt qu'on connaît aujourd'hui, c'est un pur produit du forestier. Et c'est probablement à partir de 1800-1830. Donc, faut pas être surpris que le chêne, il n'est pas adapté à ces conditions-là. De même que l'épicéa, qui est un arbre de montagne, on l'a planté massivement il y a 150 ans en plaine. Et l'épicéa a un système racinaire extrêmement superficiel. En montagne, ça va parce qu'il y a toujours assez d'eau. Le jour où il n'y a plus d'eau, ben l'épicéa, il crève et il est attaqué par les scolytes. Thank you.
Ah oui, 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 oui. Alors, rappelez-moi voir. Oui. Oui, est-ce qu'on peut trouver des espèces qui pourraient aider les arbres à s'adapter ? La réponse est partiellement oui. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse à ce projet-là avec nos collègues suisses depuis une dizaine d'années, en particulier dans le Valais, au-dessus de Sion et de Martigny. On a une magnifique vallée, là, ceux qui la connaissent. Les pinèdes sont en train de dépérir massivement, pin sylvestre, trop de sécheresses successives. Donc là, dans cette région-là, on étudie à la fois le comportement des arbres et de leur cortège microbien. Et on a simulé, on peut simuler, nous autres scientifiques, des sécheresses. Il suffit de recouvrir le sol et empêcher les précipitations. Et on peut simuler 10%, 20%, 40%, 80%, 100% des précipitations. Donc on contrôle complètement la quantité d'eau qui arrive dans le système racinaire et on provoque des sécheresses édaphiques, des sécheresses artificielles. Et là, évidemment, on voit un effet spectaculaire sur la croissance des arbres. Moins il y a d'eau, moins il y a de croissance. Et en même temps, on voit un effet spectaculaire sur le cortège de champignons associés à ces pins. Et on s'aperçoit qu'il y a un champignon qui systématiquement survit et qu'on retrouve tout le temps sur les plants qui sont fortement stressés par l'absence d'eau. Et c'est un champignon qu'on retrouve toujours aussi, nous autres, dans les écosystèmes qu'on ne manipule pas au milieu de l'été, au plus fort de l'été, quand on déterre les racines et qu'on fait l'inventaire des champignons associés. On en a un qui représente toujours 50% des champignons. Et c'est un champignon qu'on reconnaît bien parce qu'il est mélanisé. Donc, en fait, comme la truffe, il forme des racines noires. Donc, il est vachement facile à reconnaître. Et ce champignon peut représenter jusqu'à 50 à 60%. Et on pense, on a étudié son pourquoi il était présent, pourquoi il résistait à la sécheresse. On s'est aperçu qu'il avait un certain nombre de gènes codant encodant les transporteurs d'eau. Donc il a une densité de transporteurs d'eau sur sa surface supérieure aux autres champignons. Et quand il est associé au système racinaire, et bien l'arbre bénéficie de cette augmentation de cette densité de transporteurs d'eau. Et donc il est capable d'aller chercher l'eau plus loin et de transférer l'eau à la plante. Donc il est... Alors d'abord, on pourrait imaginer qu'on inocule les arbres, on mycorhize ces arbres par ce champignon, particulièrement adapté à la sécheresse. Mais est-ce qu'on peut faire ça sur des grands massifs forestiers? J'en suis pas sûr. Et après, est-ce qu'on peut sélectionner des arbres? Autre point, est-ce qu'on peut sélectionner des arbres qui sont mieux adaptés à la sécheresse? Oui, il suffit d'aller en Kabylie, il suffit d'aller au Liban, il suffit d'aller dans le sud de la France. Donc en fait, aujourd'hui, on est en train de mener des expériences au Liban et dans le nord de l'Afrique, où on regarde un peu comment les arbres se comportent. Et là, on identifie des espèces qu'on va peut-être introduire, enfin que nos collègues forestiers vont introduire dans le Var ou dans le sud de la France, et peut-être dans un siècle dans les Vosges. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Donc on peut trouver des espèces d'arbres adaptées à ces conditions extrêmes. Et j'ai oublié votre question. Ah oui, le rôle des animaux. Bon, alors je suis pas entomologiste, je ne connais pas bien les interactions entre les arbres et les insectes, mais c'est sûr qu'un arbre, il héberge une multitude d'insectes et qu'il est totalement le chêne, et il héberge une multitude d'insectes qui lui sont inféodés. Alors quelle est l'interaction entre ces insectes et les champignons ? On connaît plutôt des interactions négatives, c'est-à-dire que beaucoup de nématodes et des vers du sol se nourrissent, broutent les racines mycorhizées, parce que le mycélium, le manchon, le feutrage mycélien que vous avez vu autour des racines, il est très riche en sucre et en lipides. Et donc ces nématodes, on les voit hein, quand on regarde là sous une loupe binoculaire, par centaines, ils sont voraces, ils viennent brouter ces racines. Et donc là, c'est un effet de prédateur. Et le champignon est obligé de produire des molécules pour neutraliser ces nématodes. Mais on connaît assez mal le fonctionnement. On est dans un système d'interaction, de coopération, de prédation, et c'est ça l'écologie. C'est ça la vie, c'est en fait que ça. Tout est en état d'équilibre. Et nous, on est en train de perturber un peu ces équilibres. Ah, bien sûr, oui, oui. Non, mais moi, je pourrais parler toute la journée. Hein.
discussion aussi passionnante, aussi prolongée. Et s'il reste un peu de café, je pense que vous aurez plaisir à répondre à d'autres questions. Merci beaucoup. Et le prochain petit déjeuner, ce sera avec M. Foufou. Et on aura exceptionnellement la présence du ministre Arnaud Bontour avec nous, parce que on va traiter des abeilles, du miel, et Arnaud Bontour va représenter la partie industrielle. Je ne suis pas intervenu, mais sur la question sur les animaux, j'avais la même question. Et en fait, c'est des interactions extrêmement complexes. Les animaux, notamment les nématodes, recyclent aussi beaucoup de bactéries qui servent probablement